Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres avec cette vidéo, ben je m'appelle Nayanka, je viens juste de commencer ma chaîne et en fait j'ai déjà eu de très mauvais commentaires. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce qu'on va appeler le guide du commentaire du parfait connard. Pour commenter comme un connard, sache qu'avant tout, il faut que tu t'appliques et que tu suives les règles suivantes à la lettre. Pour commencer, il faut être raciste. Donc ça, tu l'as en deux options. T'as l'option racisme déguisé ou alors racisme plus direct. Pour la version un peu déguisée, tu auras tu es un hybride, aliéné et dangereux. Ou alors, le métissage crée des bipolaires schizophrènes qui peuvent devenir dangereux s'ils deviennent trop nombreux. Après, tu as bien sûr le plus limpide, sale noire. On est sur du plus classique, mais ça passe aussi, c'est tout aussi efficace. Ensuite, il te faut absolument mentionner des choses qui n'ont rien à voir avec la vidéo dans ton commentaire. De type, aucun blanc ne voudrait de toi, ou tu sors avec un noir parce qu'il a une grosse bite. Oui, en effet, mon copain a une bite de 9,43 m. Et comme toutes les femmes, ce que je recherche dans la vie, c'est une grosse bite. Ensuite, il s'agit de menacer la personne de mort. Donc là, pareil, t'as deux options. Tu as le très efficace, va crever. Simple, direct, limpide. Et puis après, sinon, t'as un peu plus élaboré de type « Je vais venir chez toi et te couper la gorge ». Ou là, on a déjà une réflexion sur le moyen du meurtre. Ensuite, il faut absolument que tu fasses comprendre à la personne que tu es beaucoup plus intelligent qu'elle et qu'elle n'a absolument rien compris à la vie. Tu es vraiment inculte, ça fait peur, rassure-moi, tu en rajoutes. Ou encore « J'allais être virulent avec toi, mais je me rends compte que tu as besoin d'aide, donc viens en message privé, je vais t'aider parce que tu es à côté de la plaque, ma pauvre ». Ensuite, t'as la technique subtile du connard sympa. Tu fais un compliment d'abord et ensuite tu tacles la personne. Ta vidéo est bien, t'as l'air cool, j'aime ce que tu fais, mais wesh, vas-y, fais pas la victime, tu t'es pris pour qui, en fait t'es ridicule. Ça marche pas mal parce que tu captes d'abord l'attention de ton lecteur et après boum, il comprend rien à ce qui se passe. T'as la technique du connard qui n'a même pas regardé la vidéo jusqu'au bout mais qui se permet de te donner des conseils. T'as aussi le connard intelligent, le connard hater qui a l'habitude de poster des commentaires de merde, de type je t'encule avec un K à la place du C. Comme ça, les filtres commentaires ne filtrent pas l'insulte. Clever, il fallait y penser. Bien sûr, dans le commentaire où tu montreras que tu es complètement raciste, que tu n'as pas compris la vidéo et qu'en plus tu insultes les gens gratuitement, il te faudra oublier tout type de ponctuation, comme ça on ne comprendra rien à ce que tu diras. Et il faudra absolument que tu fasses des fautes, encore des fautes, et toujours plus de fautes, sinon tu vas baisser sur l'échelle de la connardise. Et ça, c'est pas cool. Et voilà, maintenant que tu sais que tu es un connard ou une connasse, tu peux t'abstenir de commenter, ou alors faire l'opposé de ces conseils pour te comporter normalement. À bon entendeur. Et à tous les haters que j'ai pour l'instant, et à ceux qui viendront au futur, voilà ce que je te dis. Et je te fais une petite danse, la danse du hater. À la prochaine.